Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là, il est 7h21, il est très tôt. Je vais faire mon teint pour aller filmer mon réel et attendre le facteur qui m'amène ma commande Shein. Pour vous tourner le haul Shein qui sort demain pour moi, mais que vous avez déjà eu. Toujours remets à barre d'info. Sinon, bon, on va commencer avec le petit vacant, comme d'hab. Ce week-end, oh, j'ai pas fait grand-chose. Vendredi, j'ai reçu mes petites super nanas que j'ai mis en déco en haut. Je vous montrerai juste après. J'ai trié tous les strass que j'ai eu, que j'ai acheté chez Action. Vous allez bientôt avoir mon room tour mercredi pour vous. Donc vous verrez comment je les ai rangés. Samedi, j'ai tourné une vidéo et un réel, je crois. Je ne sais plus. Ouais. Et après, on a été faire 2-3 courses. Bon, j'essaie de choper mes pinceaux. On a été faire 2-3 courses. J'avais fait le make-up avec la chaînette là, sur le nez que j'ai adoré. Mais vu que j'étais à la sieste avant de sortir de la maison, j'ai dû me démaquiller parce que j'étais plus très fraîche. Voilà, la chaînette s'était cassée la gueule, les strass s'étaient cassées la gueule. Donc je me suis démaquillée parce que ça ressemblait plus à rien. Encore, ça aurait été juste la chaîne et qu'on devait encore mettre le masque, ça passait. Mais comme on a pu mettre le masque, ça se voyait, ça me faisait une grosse barre de colle à fossiles. Donc voilà, je me suis démaquillée, on allait aux courses. Et le soir, on a fait le live avec Georges, qui était encore un super moment, comme d'hab. Pareil, je vous remets la rediff en barre d'infos. C'est à chaque fois très agréable d'être en live avec vous, parce que comme on disait justement sur le live, on se sent plus proche l'un de l'autre. Et c'est génial. Voilà. Et je voulais vous remercier aussi pour vos retours sur le vlog de la semaine dernière. Voilà, le début était assez compliqué, vous l'avez vu. Apparemment, j'ai fait pleurer plusieurs personnes. Je suis désolée, c'était pas l'intention. Mais sachez que ça m'a fait énormément de bien d'en parler avec vous. Voilà, tout simplement. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis sentie beaucoup mieux une fois que je vous ai un peu tout raconté. Donc, voilà. Ça sert à ça aussi, les vlogs. Donc, voilà pour le samedi. Et le dimanche, donc hier, alors j'ai refait mes ongles. J'ai refait la pose américaine parce que j'avais envie qu'ils soient un peu plus longs. Et je laisse pas trop pousser mes ongles naturels parce que... Voilà, ils sont jamais à la même taille, j'arrive pas à les avoir de la même forme, donc ça m'énerve un peu. Donc j'ai refait la pose américaine, ça faisait longtemps. Et je les voulais un peu plus longs, donc voilà. Au départ, je devais filmer la Queen of the Disco, que je vais devoir filmer cette semaine absolument, parce que je suis à la bourre avec cette vidéo-là. C'est la seule qui me manque pour la semaine prochaine, et celle de samedi aussi, donc c'est celle avec Sephora. Il faut vraiment que je vois comment goupiller ça. Et... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait une commande My American Shop. J'ai demandé le lien, j'ai demandé le site à Amy où elle avait commandé pour faire la dégustation avec le dindon. Et du coup, j'ai fait une commande d'une box, puisque les box étaient en promo. Donc j'ai pas regardé exactement ce qu'il y avait dedans. Je sais juste qu'il y a un peu de sucré, un peu de salé, un peu carrément de trucs pour cuisiner. Et comme ça, on fera la dégustation avec Georges que je vous ai programmé pour le 20. Voilà, j'ai remodifié encore un peu mon planning. Oui, je fais un planning, mais il bouge souvent. Hein, donc voilà pour ça. C'était le petit week-end. Là, il faut que je vous montre mon cadre.
parce que maintenant je peux vous le montrer vu que samedi je vois les filles. Donc elles auront eu le leur et donc du coup je peux vous montrer pourquoi j'ai acheté les 4 chez Action. C'est un petit cadeau que j'ai fait pour les filles et pour moi. Je vais vous montrer ça juste après avec mon téléphone. Faut que je vous montre les super nanas en haut. Je vous montrerai un peu les chichous aussi cette semaine, bon pas aujourd'hui. Là, les filles sont en train de foutre le bordel. Je pense que c'est les filles et Gougou en train d'écouter ce que je dis. Oui, hein, mon gougou, il écoute qu'est-ce que j'ai dit, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait, mon gougou? Je sais pas si vous les voyez. Je les zoome un peu. Beaucoup. Il y a Gougou qui part par là. Attendez, hop là. Et les filles sont en dessous en train de foutre le bordel. Cuny est en train de s'acharner sur une branche d'arbre et Luna est au milieu de la cage en train d'écouter ce que je dis aussi. Ok, t'es mon gougou d'amour. Ils sont pas sortis depuis 2 jours, il faut que je les fasse sortir un peu après la sieste. Je les ferai sortir jusqu'à ce que Chéri y rentre. Voilà. On verra s'ils sont réveillés. Mais normalement, dès qu'ils entendent la barrière, maintenant. C'est automatique, ils sont en bas pour que je leur ouvre. Voilà, sinon, ben, rien d'autre. Là, j'attends ma commande, donc ma deuxième partie de ma commande Shein avec les suites que j'ai commandées. J'en attends une autre, bien évidemment. Et je viens de voir qu'elle était déjà arrivée en Allemagne. Donc, je vais la voir cette semaine. Probablement mercredi ou jeudi. Mais je peux pas décaler le haul du coup, puisque je vous ai déjà annoncé que vous alliez l'avoir, donc je ne sais pas quoi faire. À moins que je vous mette un sondage. Je ne sais pas. Non, je vous montrerai dans le vlog. Cette semaine ou la semaine prochaine, suivant quand je le reçois. Ils disent entre le 7 et le 11, donc entre samedi et mercredi, sauf que là j'ai vu ce matin qu'elle était déjà arrivée en Allemagne. Donc en principe, quand elle arrive en Allemagne, je l'ai 2 jours après. Le temps qu'elle arrive en Belgique et qu'elle arrive jusqu'à ma porte. Donc on verra bien. Maintenant ils attaquent la petite maison en bas. Je vous jure, ça bouffe vraiment n'importe quoi ces trucs-là. Bon, bah écoutez, moi je vais faire mon teint, je vais tourner mon réel, après j'attendrai ma commande. Là je vais juste vous montrer le cadre et je vous montrerai les super nanas quand, quand je suis en haut. Voilà, quand je vais faire mon réel. Ou après mon réel, comme ça vous avez un spoil du make-up. Bah, de toute façon, vous aurez eu le spoil dans la semaine, donc voilà. Donc, je vous montre le cadre et après on se retrouve en haut. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait imprimer des posters avec nos 3 photos que Jessica de la chaîne Life Tissia Miel nous a fait en format graphique comme ça, dessin. Puis j'ai rajouté des trucs de mon programme de montage. Voilà, Sister Forever, Cutie, Sweet, tout ça. Donc j'ai acheté les cadres chez Action pour mettre nos 3 posters. Et je pense que ça leur plaira. Il est très beau. Voilà. Et j'ai mes copines toujours près de moi comme ça. Voilà. Bon, je vous montre les super nanas juste tout de suite pour vous, mais pas tout de suite pour moi. Alors, il est 9h07 et je viens de finir de tourner mon réel. Voilà, donc c'était le dernier Colourpop avec Babillotte. Mon petit amour. Voilà, de toute façon, vous l'avez vu au t-shirt. Pas de surprise. Donc, je vais vous montrer mes super nanas. Je vais vous les montrer, je vous inclus la vidéo film au téléphone de suite. Et voilà, je les trouve très mignonnes. Elles sont rikiki, vu le prix, c'est rikiki, hein. Mais bon, voilà, je préfère ça au pop. Amy voulait les pop, Manon a acheté les pop. Moi, je ne suis pas fan de pop, à part mon petit bébé coucou, là, juste ici, qui est magnifique, mais comme il a déjà des gros yeux de base, ça fait moins. Ça choque moins. Voilà. Mais les pop sont jolies aussi, hein, mais c'est moins mon kiff, je préfère les petites figurines. J'aurais bien aimé trouver les comme la Harley Quinn, mais j'ai pas trouvé. Voilà.
Alors, je viens de mettre mon crayon W7 en muqueuse supérieure, qui était full, hein. Je l'avais taillé une fois jusqu'à maintenant, et voilà où ce qu'il en est. Et j'ai toujours pas de mine. Donc, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais regarder après un autre taille crayon, essayer qu'un autre taille crayon. Sinon, j'en ai un 9. J'essaierai avec le 9, voir si c'est la mine qui est cassée ou... Je sais pas. J'ai beau tailler, j'ai pas de mine. J'ai pas de mine qui apparaît. Donc, si c'est pour l'utiliser une fois, et puis après, il n'y a toujours pas de mine. Elle a toujours pas la mine. Franchement, je comprends pas. On dirait qu'il est vide. J'y arrive pas, hein. Pas moyen. Bon, bah, je vais le jeter. Je vais essayer avec l'autre... Sinon, j'ai encore un noir révolution et si jamais... non, pas moyen. Pourtant, je ne me souviens pas l'avoir fait tomber. Mais il n'y a carrément pas de mine, en fait. Il n'y a pas de sciure de mine, rien. Bizarre. On dirait qu'il est vide, le bazar. C'est vraiment chelou. Ça m'est jamais arrivé. Donc, je vais essayer avec l'autre. J'ai le crayon révolution Creator. Donc, il est très long. Et s'il tient aussi la muqueuse que les... Que les colorés, ça va. Et après, si le W7 me fait la même merde avec l'autre, je rachèterai ces fois. Je vais le sortir tout de suite d'ailleurs pour oublier. Attendez, je cherche. Là, j'en ai même deux en stock. Trois. Bon. J'en ai trois en stock, mais bon, s'ils sont à usage unique, ça va pas le faire non plus. Hein, mais je vais faire pipi. Bon, bah, moi, je vais aller monter mon réel. Ma partie de vlog, hein, puisque là, c'est bon pour aujourd'hui. Et attendre mon facteur pour vous tourner le haul Shein. Là, j'essaie d'ouvrir mon crayon, hein, d'enlever le blister. J'aime pas les blisters. J'ai horreur des blisters. C'est la mémère de les blisters. En plus, j'ai pas mis mes lunettes, donc je vois rien. Même avec la pince à épiler, j'ai du mal à... Je sais pas, c'est chelou cette histoire, on verra bien avec celui-là. Ah bon, ça va, j'en ai trois d'avance, plus le créateur, je suis tranquille. Parce que voilà, normalement, il se taille bien, il est bien noir et tout. J'ai regardé, c'est pas rétractable, parce que je me suis dit peut-être que je me suis couré, que je l'ai taillé, mais non. Et en fait, plus je le taille, moins j'ai de mine. Enfin, j'ai pas de mine du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Parce que là, je l'avais taillé, aller à peu près jusque-là. Et là où j'en suis maintenant, hein. J'ai bouffé les trois quarts rien qu'en le taillant. Et j'ai toujours pas de mine. Ah là 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 là. Bref. Bon, ben allez, moi je vais aller faire ce que j'ai à faire. En attendant le farceur. Et voilà. J'aime beaucoup mon make-up. Ok, allez, sur ce, on switch toujours. Mes lunettes, sinon je vais encore vous dire qu'ils sont dégueulasses. Alors, il est 9h46. Je viens de finir de tourner ce réel. Je vais aller faire une pause café, pause pipi, surtout, comme d'hab, et filmer ma vidéo de Sephora pour la fête des mères. Donc voilà mon petit programme de la journée. Après, bien sûr, ce sera du montage, sieste, et compagnie. Vous avez l'habitude, c'est le même programme tous les jours, de toute façon, chez moi. Ça ne change pas beaucoup. Sinon, hier, j'ai fait sortir les chichous à 3h30. Quand je me suis levée de la sieste, jusqu'à, ils sont sortis jusqu'à 7h30, je crois. Donc, ils ont bien couru la première heure et puis après on les a plus vus. Mais je pense que je vais refaire pareil ce soir ou demain, je ne sais pas exactement. Et je vous prendrai pour vous montrer un peu les chichous en liberté dans le salon. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.
J'ai ouais, j'ai pas grand-chose à vous dire. Ça va être une semaine assez chiante. Là, j'attends samedi. Voilà, tout simplement pour aller voir les filles et tout et tout. Pour l'anniversaire de Mimi Fofolle. J'ai hâte. J'ai reporté donc la vidéo du haul Shein, puisque quand j'ai fini de le tourner, j'ai vu que le dernier colis était en Allemagne. Donc il va arriver incessamment sous peu. Apparemment, pas aujourd'hui. Mais je pense que demain ou après-demain, grand max, je l'aurai. Donc normalement demain. Donc comme ça, je vous inclurai ça dans le haul en même temps. Normalement, vous l'aurez quand même déjà eu. Donc ça change pas grand-chose. Et je serai juste pas avec la même tronche sur les deux parties de la vidéo. Mais ça, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo de toute façon. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous laisse là. Je vais vraiment aller faire pipi avant de me faire pipi dessus. Je vous reprends soit tout à l'heure, soit demain pour vous montrer les chichous. Enfin, déjà vous dire bonjour demain, on verra bien. Bref, on suit le moment en tout cas. Je mets pas le bouton. Voilà, tu peux t'amuser si tu veux. This is a night fever. Attends, c'est moi, j'ai quasiment pas de vlog non plus là cette semaine. Oh, moi non plus, je suis à 14 minutes en deux jours. On va encore gueuler parce qu'il est trop court. Vas-y. Un vlog dans un vlog. Coucou mamie. On s'ennuie toutes les deux de bon matin. C'est ça. T'as fini de te coiffer? Montre ta coiffure. J'ai juste fait deux couettes. T'es une copieuse. Oui. Mais moi j'ai une couronne. J'avais la flemme. Puis j'ai les cheveux, ils sont dans un état. Déjà là, tu sais quoi? J'hésite à aller me rechercher une décolo pour faire monter certaines des mèches parce qu'il y a des endroits où ça me fait des babars. Oh, on n'aime pas babar. On n'aime pas babar. Et Émilie est toute seule à la maison et elle se fait chier. Ben ouais, mais il fallait pas être malade. Alors, il est 9h16, très précisément, et je vais laver mes carreaux. Je viens de tourner ce réel. Maintenant, j'attends ma commande au Shein pour vous tourner la fin du haul, monter, et je ne sais pas si je la publie aujourd'hui ou demain, pour moi. Je vais vous mettre un sondage juste après, quand j'arrive en bas. Donc, comme vous l'avez vu ce matin, c'était café potin avec Mimi Fofolle. Voilà, le temps que je me préparais et qu'elle se préparait de son côté, on a bien rigolé. On rigole toujours bien. Et elle a fait un fond d'écran super nana. Je vous montrerai après, je l'ai mis sur mon PC. Voilà, tantôt je vous reprendrai un peu pour vous montrer les chichous. Quand je les ferai sortir après ma sieste. Et voilà. Tout simplement. Attendez, hein, je nettoie les carottes. Bon, on dira que c'est bon. J'ai tourné avec la Wild Python. Alors du coup, j'ai mis les petits serpents dans mes cheveux. Raco jusqu'au bout, mamie. Et j'ai fini le fond de teint hydratant de Shiglam. Donc je vais ressortir celui-là. Il me reste encore un peu du Révolution. Mais comme ça, je peux comparer les deux. Parce que... J'aime beaucoup le rendu du Révolution sur tout le teint, sauf qu'il bouge sur mon nez. Oh là là, mes sourcils ont fait un truc caca. Oh, j'ai pas vu ça. Bon, bah, tant pis. Donc, comme ça, je verrai si... Quoique ici, ça me fait un gros effet matière. Il me faisait pas ça avant. Le chien est en train de faire une connerie en haut. Ryan! Je sais pas. C'est pas la base, puisque j'utilise toujours la Shiglam vu que je l'ai pas terminée. Donc je sais que les autres fonds de teint bougent pas avec. Mais là, je suis en train de voir que ça me fait des effets matière partout. Alors que. Il me faisait pas ça jusqu'à maintenant. Oh là, mon teint est caca aujourd'hui. Bon. Tant pis, hein, de moins vous ne verrez pas. Donc voilà.
Bref, moi je vais vous montrer après en bas le fond d'écran Café Mimi. Et je vous reprendrai tout à l'heure pour les chichous. Et voilà, maintenant je vais aller attendre ma commande en faisant mes deux montages des vidéos que j'ai fait hier. Oh, mais mon teint est dégueu! Ben, je crois que vous le voyez pas. Hein. Je vais vous montrer de plus près. Je sais pas si vous allez voir ici, mais ça fait un gros effet matière. Les cernes aussi. Pourtant, oui, si j'ai mis du fond de teint, mais je mets qu'une toute petite couche, quoi. Et sur mes cernes et mon teint, c'est pas la même poudre. Donc c'est bizarre. Beau. Beau, beau, beau. Tant pis, hein, ça restera comme ça pour le haut. Allez, je vous reprends en bas. Donc voilà le fond d'écran que nous a fait Mimi Fofolle. C'est trop marrant. Voilà, tout simplement. C'est pas bien compliqué, mais c'est des petites attentions qui font toujours plaisir. Et là, je vais attaquer mon montage de mes vidéos en retard. Voilà. Je sais pas si vous êtes droit. Donc, il est 7h31, il est très tôt. Genre, je suis pas à l'école parce qu'il a mal la tête et la nausée. Donc, je pense qu'il commence les migraines. Après, c'est normal, c'est héréditaire. Voilà. Donc là, je vais me préparer doucement et tranquillement pour aller tourner un petit réel où je vais m'amuser avec mon make-up. Voilà, tout simplement. Et les strass et compagnie que je vous ai présenté dans le haul Shein. Et en parlant de Shein, j'ai du bruit. Vu que la loupiote ne va pas, je vais la customiser. Voilà, donc je pense que je vous montrerai le rendu demain. Puisque il faut que j'attende qu'elle sèche et tout. J'espère juste que la bombe va tenir dessus parce que c'est du plastique lisse. Donc je verrai bien. Je vais tenter. Je vais customiser ça et puis on verra bien. Voilà, voilà. Sinon, j'ai refait une commande Shein. Je vous ai posté le haul et je vous disais que j'avais pas encore refait de commande. Mais en fait, entre temps, juste après le montage, en fait. Quand j'ai uploadé la vidéo, j'ai refait une commande. Voilà. J'ai recommandé la lampe, bien évidemment. Alors, ils me l'ont remboursée et je ne dois pas la renvoyer. Donc, c'est pour ça que je vais la customiser. J'ai commandé la lampe et je n'ai pas commandé grand-chose. Des sous-vêtements. Ouais, j'ai recommandé des sous-vêtements. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'en ai recommandé. Mes commandes. J'ai commandé un ensemble de chez Room. Je vous montrerai ça quand je les aurai reçus. Je pense pas que je ferai un haul, sauf si je reçois mes fringues AliExpress en même temps. Alors, je regrouperai. J'ai commandé 5 bralettes. Donc, 2 bralettes, 3 bralettes classiques et 2 en dentelle spéciale de nu. Et un top asymétrique pour changer un peu. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. J'en avais pour 40 euros en tout et j'ai payé 33 euros avec les réductions sans le portefeuille parce qu'ils ne me l'avaient pas encore ajouté. Donc là, ils m'ont rajouté les 4 euros et des cacahuètes. Voilà. Donc je ne vous ai pas repris hier pour vous montrer les chichous parce que du coup, j'ai dû attendre que Georges rentre de l'école. Il est rentré plus tard que d'habitude. Et du coup, j'ai été me coucher plus tard que d'habitude. Donc, je me suis levée plus tard que d'habitude. Donc, je les ai fait sortir 10 minutes avant que chérie rentre. Mais aujourd'hui, je vais les faire sortir un peu plus tôt en espérant qu'ils courent un peu. Hier, il n'y a que Gougou qui était motivé. Il n'y a que Gougou qui était motivé. Puis d'un coup, il s'est retrouvé coincé dans la housse du canapé. Voilà. Ah, d'ailleurs, j'ai pas remis la couverture. Vous voyez à quel point elle est en piteux état. Il faudrait que je recommande. Voilà, je resserre un peu mon piercing aussi. Ah, il faut que je nettoie mes piercings, je ne l'ai pas fait hier. Enfin, je les nettoie juste avec un peu d'eau déminéralisée maintenant. Et quand ça me gratte un peu trop, parce que ici, je pense que j'ai une toute petite kéloïde, mais à force de dormir dessus, c'est normal. Donc, je mets un peu d'aloe vera, du gel d'aloe vera. Mais je pense que ouais, j'ai une toute petite kéloïde. Ou rigiki, hein, mais les deux là, ils ont du mal. Je crois que j'ai une kéloïde aux deux, en fait. Mais comme c'est parce que je pense que je dors dessus.
Donc j'hydrate à mort pour éviter que ça me gratte et que ça. Bah, et que ça gratte, quoi. Voilà. Bref. Donc bah écoutez, je vous reprendrai tout à l'heure après la sieste pour vous montrer les chichous. Et comme ça, moi, entre-temps, je vais faire ça, ma lampe. Et je pense que je la customiserai pendant que les chichous sont dehors. Comme ça, je me mets près d'eux. S'ils viennent pas me piquer tous les trucs. Ça, c'est une autre histoire. Et on les connaît, hein. Mais je vous reprendrai quand même pour vous les montrer un peu. Demain, je pense que je vous montrerai juste la lampe et que je vous donnerai. J'ai déjà vous donné le planning, tu vois, d'ailleurs. Comme ça, c'est fait, puisque vendredi, je vais essayer de pas trop vous prendre, puisque samedi, je vais chez les filles. Enfin, je vais voir les filles, donc voilà. Donc, demain, pour vous, une palette de make-up où je ne serai pas toute seule, vous verrez bien. Après, en sachant que ça peut changer si je reçois la nouvelle palette Biperfect. Hein, j'attends qu'elle sorte sur Bootyshop. 5 liners graphiques. Pour le mardi, mercredi le room tour, jeudi la Queen of Disco, il était temps, hein, ça faisait 2 mois que j'avais pas fait la Queen. Vendredi les produits finis, samedi les idées de la fête des mères avec Sephora et le vlog dimanche. Et comme je vous l'ai dit, sauf si je reçois la commande Biperfect, ça risque de sauter. Sauf bah, le lundi je peux pas changer parce que je suis pas toute seule, le samedi je peux pas changer puisque c'est une collab avec Sephora. Et dimanche, je peux pas changer puisque c'est le vlog. Donc voilà, ça sera mardi, mercredi, jeudi ou vendredi que ça risque de changer si jamais la palette se décide enfin à sortir. J'attends. Bootyshop m'a dit attends. Voilà. Ils m'ont même dit que si ça serait bien qu'ils puissent vendre de la patience. Oui, j'avoue. Mais voilà. J'achète rarement des nouvelles palettes, enfin j'achète rarement des palettes en ce moment, mais quand Biperfect en collab, avec les collabs, j'achète parce que voilà, j'adore et que j'ai envie de me faire ma petite collection de palettes Biperfect en collab, principalement surtout les Stissimeri, hein, il faut le dire, les tropicales, enfin les carnivales, je les adore. La Sceptre, pareil, mais là c'était une autre collab. J'adore aussi. D'ailleurs, j'ai largement hésité sur celle-là et je suis bien contente que les films l'aient offerte. Je sais plus si c'est Manon. Moi, ouais, je crois que c'est Manon. Mmh. C'est Manon, puisque la Antidote, c'est Amy qui m'a offert. Et pareil, c'est deux que j'hésitais largement à m'acheter et finalement, je les ai reçus et je les adore. Donc voilà, autant surfer sur la vague de la nouveauté aussi pour essayer de faire un peu de vue. Hein. Faut quand même pas se voiler la face, les vues ça fait du bien et ça fait 10 sous, hein, voilà. Donc ben voilà, c'est tout. Ouais. Je suis flagada. En même temps, il est tôt, hein, il est très tôt et je suis levé depuis 5h30 encore. Pourquoi, je sais pas, mais je suis levé depuis 5h30. Donc là, je vais aller brosser mes dents et faire mon teint, aller faire mon petit réel tranquillou bilou, m'amuser un peu avec. Avec mon make-up, les strass et les transitions et tout ça, comme j'adore faire. Et je crois que je vais déjà bomber ma couronne, comme ça elle a déjà le temps de sécher un peu, en espérant que ça tienne. Et on verra bien. Bon, sur ce, je vous reprends tout à l'heure quand les chichous sont dehors. Alors, bon, faites pas attention à l'état du canapé, il faut vraiment que j'aspire. Hein. Ils ont retourné la caisse de foin la dernière fois, donc il y en a partout. Il est 3h30, là je viens de mettre la barrière. Donc Gougou est déjà en dessous. Voilà, il attend que je lui ouvre. Les filles sortent toujours un peu après, mais Gougou, dès qu'il entend la barrière, lui, c'est magique. Alors oui, on est obligé de mettre un mousqueton, parce que sinon ils ouvrent la cage. Alors regardez bien. Bon, et sur mon coucou, tu viens jouer? Tu viens? Eh bien, près de maman. Bon, sur mon bébé. Non, pas mes ongles. Bonjour. Attends, j'ai mal mis la truc. Tu viens dire bonjour à maman? Bonjour, mon bébé. Bonjour. Il va me pousser dans 2 minutes. Voilà, regardez comme il pousse. C'est un tarif.
Voilà, tu peux aller jouer. Les filles, vous venez jouer les filles. Bonjour ma pépé Luna. Tu viens jouer ma pépé? Tu viens jouer? Queenie, tu viens jouer? Tu viens près de maman? Eh viens. Eh viens près de maman. Viens vite. Allez. Viens dire bonjour à maman. Viens vite. Bonjour ma mémère. Bonjour, bonjour. Bonjour ma couicouille. Bonjour. Tu viens près de maman? Elle est les plus sauvages. Hein. Tu viens près de maman, ma louloute? Luna, tu viens? Tu viens jouer? Qu'est-ce qu'il y a, ma couicouille? Et ma baby? Baby, tu viens jouer, ma baby? Hein? Tu viens jouer? Allez, viens vite. Luna, elle ne demande pas son reste normalement d'habitude pour sortir. Tu viens jouer près de maman? Allez, viens vite. Allez, tu viens jouer près de maman? Tu viens? Loulou? Luna, Gougou, tu fais quoi? T'es où? Va pas dans la housse, hein? Les filles. Bon, bah, les filles sont pas motivées, vous les verrez tantôt. Je vous les filmerai quand elles seront sorties. Je vais voir où il est Gougou. Parce qu'hier, il était coincé dans la housse du canapé. Gougou? T'es où? Bébé Gougou? Oh Shrek! Grogu, ramène tes fesses par ici, que maman elle voit où tu es. Gougou? Il est derrière, je l'entends manger la truc. Bon, je vais vous laisser tourner un peu l'appareil et comme ça vous les verrez, vous verrez les filles sortir déjà comme c'est mis là. Et parce que voilà, je vous ai mis sur une boîte de tabac quand même. Donc là, vous voyez, ouais, vous voyez bien la sortie de la cage. Vous verrez les filles sortir. Je vais vous bouger. D'ailleurs, comme ça, je vais vous mettre pour que vous voyez le bain. Parce que dès que Luna va sortir, elle va aller au bain. Voilà, et comme ça, vous verrez. Oups, vous verrez Gougou foncer derrière la cage. Bon, je vais essayer de les appâter avec le bain. Luna vient de sortir et hop, elle va aller au bain. Peut-être qu'elle n'osera pas parce qu'elle a peur que ce soit censuré. Une magnifique chinchillou, une magnifique chichou dans son bain. Ça pourrait être censuré par YouTube. Voyons, un peu de pudeur. Tu vas au bain, ma loulou? Luna, prends ton bain. Montre aux gens comme tu fais valser le bain dans tous les sens. Oh, j'aimerais bien vous montrer parce que quand Luna est au bain, on sait que c'est Luna qui est au bain. Elle n'a pas l'air motivée, hein. De toute façon, elle va y aller 5-6 fois sur tout le temps qu'elle va être dehors. Hein. Tu fais loulou? Ah mais Marquini, tu viens ma louloute? Tu viens au bain ma couicouille? Queenie, tu viens près de maman? Je sais pas ce qu'elle fait, d'habitude elle saute dedans. À peine sortie, c'est le premier truc qu'elle fait normalement. Qu'est-ce qu'elle est belle? C'est vraiment un mélange de Queenie et de gros goût, c'est un truc de fou. Elle est foncée comme Gougou au-dessus, claire comme Queenie en dessous, et elle a la tête de gros goût. Mais elle a le cul de Queenie, elle a le cul de sa mère. Queenie, tu viens? Ah, ah, ça y est. Oh, que les belles! Oh là là! Quelle beauté! Voilà, elle fait bouger le bain dans tous les sens.
Et Queenie, je ne sais pas ce qu'elle fait. Attendez, parce que j'ai mon téléphone, que je ne le fasse pas tomber. Elle est là. Bon, je vous les remontre un peu après, quand ils sont tous dehors. Bon, Luna devrait retourner au bain 5-6 fois encore entre-temps. Ça va, ma pépé Luna? Hé, ma petite baby! Ma petite baby d'amour! Oh, quelle était ma baby d'amour? Tu vas jouer? Tu vas voir qu'est-ce qu'il fait, gros goût? Va surveiller gros goût. Ah ben il est là. Gougou? Tu fais quoi mon bébé? Tu fais quoi mon pépé? Tu fais une bâtisse? Hein? Tu fais une bâtisse? Tu fais le T-Rex? Montre que t'as pas de pattes. T'as on dirait une vraie boule. Tu montres un peu que t'as pas de pattes? Elles sont où les papattes? Gougou? Elles sont où les papattes? Montre à maman où elles sont les papattes. Tranche de cake celui-là.
viens ma coucoui. Mais Lilou, laisse Gougou tranquille, il veut pas jouer, il t'attaque. Mon Gougou, elle t'embête. Dis à maman si elle t'embête, je lui casse la gueule. Oh, mon petit pépé. Poyo, tu viens dire bonjour à maman? Viens dire bonjour à maman. Je vais faire un gâté. Bonjour mon pépé. Bonjour mon pépé. Ça va? Robin. Robin, Robin. Tu fais le ménage? Oh oui, il fait le ménage. Ramasse tes petites crottes aussi. Hmm? Je sais pas pourquoi il frotte ses pattes arrière comme ça, si quelqu'un sait. J'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé, ça fait un certain temps qu'il fait ça. Je sais pas pourquoi il fait ça. Mon gougou. Mon bébé coucou. Tu frottes tes papattes, mon bébé. Oh, bonjour. Oh, si pépé sur maman. Oh, si tu pépé sur maman. Tu viens faire des bisous? Tu viens montrer comment tu fais des bisous à ta maman? Viens faire des bisous à maman. Queenie, Luna. Ah! Bébé Luna! Hey! Ma bébé Luna! Il y a une queue derrière. C'est la tienne ou c'est celle de ta mère? Je crois que c'est la tienne. Ma bébé Luna! Tu viens dire bonjour à maman? Tu viens? Tu viens dire bonjour à maman? Tu viens? Tu viens? Ah, t'es là ma cuicui? Non, tu joues? Oh, t'es pas gentille. Hein. Bonjour ma Queenie! Au revoir Queenie! Gougou, c'est le plus beau! C'est vraiment le plus attachant parce que c'est celui qui est le plus sociable en fait des trois. Queenie est très 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 craintif. Faut pas faire de gestes brusques avec elle, pas parler trop fort. Si on crie, elle aime pas. Si on bouge trop vite, elle aime pas. Hein, on parle d'elle, elle vient voir. Tu veux être sur YouTube, ma mère? T'aimes bien être sur YouTube, toi? Hein? Tu dis bonjour les gens? Queenie, tu viens dire bonjour les gens? Tu vas être sur YouTube? Mais tu sais que si tu te caches derrière le rideau, on te voit pas. Hein? Queenie? 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 T'es mal cachée, je vois ta queue. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles à maman? Bon, donc voilà, vous avez compris le principe quand je l'ai fait sortir. Je crois que là, vous les avez bien vus. Queenie a failli se casser la gueule dans la cage. Là, je vais les laisser courir tranquille. Je vais me mettre sur mon PC, regarder des enquêtes criminelles, jouer un peu, tant qu'ils sont dehors. J'ai pas besoin de trop les surveiller. Je vais juste faire gaffe avec la housse du canapé, qu'ils mangent pas mon rideau aussi, parce qu'ils ont tendance à beaucoup bouffer mon rideau. Et qu'ils montent pas sur le fauteuil de bureau de monsieur, parce que sinon, ils se barrent par derrière le PC, en fait. C'est des chameaux. Mais sinon, voilà, j'ai pas besoin de trop surveiller. Qui grimpe pas après la barrière, mais de toute façon, elle est juste à côté de moi, donc je l'entends si jamais il grimpe après. Et voilà. Demain, je vous montrerai, donc du coup, la couronne, ça a pas fonctionné comme je voulais. Donc, j'ai customisé la verte que j'avais fait avec les baguettes là, de brochette. Et j'ai collé des lampes derrière. Donc voilà, je vous montrerai ça demain. Demain, il faut que je prépare tout pour samedi. Enfin, les sacs pour les filles sont prêts. Il faut que je prépare mes fringues, mon make-up et tout ça. Donc je ferai ça avec vous. Je pense que ce sera un make-up très soft hein, parce qu'il faut qu'on parte tôt. Je vais voir à quelle heure je me lève aussi. Donc voilà. Ma baby! Voilà, quand je suis comme ça par terre, en principe, je me mets soit dans le canapé, soit par terre, et puis je les laisse faire leur vie à côté de moi. Ils viennent de temps en temps chiner une caresse ou un bisou. Mais après, c'est pas vu qu'ils n'ont pas été élevés à la main et qu'ils sont à plusieurs, en fait, c'est le fait qu'ils sont en meute, si on peut dire, je sais pas si ça se dit. En fait, qu'ils sont en groupe, ben, ils ont moins besoin de l'humain pour être sociables. Enfin, ils sociabilisent entre eux, mais ils n'ont pas besoin de nous pour avoir des contacts, en fait. Donc, ils ont les contacts entre eux, et nous, on passe un peu au second plan. Ils sont en train d'écouter ce que je dis. Et voilà, quand il y en a qu'un et que vous l'avez tout bébé, on aurait eu que Luna quand on l'a eu tout bébé.
on aurait pu plus facilement l'habituer à faire des caresses, des gâtés, à rester dans les bras, sur les genoux, des choses comme ça. Celle que j'avais quand j'étais ado, elle était hyper pot de colle. Dès que je la sortais de la cage, je pouvais la laisser sans surveillance, enfin, pas sans surveillance, mais sans barrière ou des choses comme ça, parce qu'elle me suivait partout. Mais j'avais qu'elle. Là, ils sont à trois. Donc forcément, ils n'ont pas besoin de nous pour avoir des contacts, quoi. Cuny descend. Tu montes pas, hein. Bien. Sinon, ils écoutent quand même assez bien et ils cherchent quand même notre attention. Non, Cuny, tu descends. Descends de la cage. Ils écoutent quand même assez bien. Non, Cuny, t'es tombée la dernière fois. Descends de là. Dépêche-toi. Je vais la faire descendre parce que la dernière fois... Descends. Dépêche-toi. Encore. Elle descend barreau par barreau. Non. Puis elle remonte. Elle est complètement déchaînée. Elle est tombée du haut de la cage la dernière fois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ils ont quand même besoin de temps en temps de notre attention. Ils nous appellent quand ils sont dans la cage. Là, quand ils sortent, si jamais je reste trop longtemps sans faire attention à eux, ils viennent à côté de la barrière, juste à côté de mon bureau. Et ils cognent la barrière pour faire signe. Ouh, je suis là. Ça, c'est Lilou qui tousse. Donc, ils ont quand même besoin d'attention. Et ils cherchent bah, surtout Gougou. C'est Gougou le plus, en fait, qui cherche les petits câlins, les petits bisous et tout ça. Tandis que les filles... elles sont vraiment pas très câlines. Mais les mâles sont plus câlins déjà de base. Boubou, je te vois, hein. La tenture, elle bouge. Je sais qu'il y a quelqu'un derrière, hein. Ta fille. Hein? Tu vas te laver? Tu vas au bain, concussion? Tu vas au bain, mon concussion? Luna, elle a voulu grimper sur la cabane, elle a raté. Bon, voilà, sur ce, on suit le jour, et ouais, demain, je préparerai avec vous mon make-up, ma tenue, ce qu'il faut pour les filles. Il faut que je rappelle à chérie qui doit aller me chercher un paquet de lardons pour faire un cake au lardon pour chez Amy, et un paquet de fromage. Bon, je vais lui rappeler ça, pas maintenant, parce que là, il doit être sur la route, s'il a déjà décollé, qu'il a pas fait d'heure, quoi qu'il a commencé plus tard ce matin, donc il finira peut-être plus tard cet après-midi, enfin bref, voilà. Ça va ma bébé Luna? Tu viens montrer comme t'es belle? Tu viens montrer aux gens comme t'es beau, comme t'es belle? Non? Tu t'en vas? Pas là où ça, c'est bien. Bon, allez, sur ce, on switch. Alors, regardez-moi m'envoler. J'ai un peu abusé sur les fossiles. Oh, ils me font un peu mal là au coin, etc. Il faudra que je les coupe pour la prochaine fois. C'est pas le genre de fossiles que je mettrai souvent, mais voilà. Alors, il est 11h15, il dort. Je viens de tourner ce réel, du coup je me coifferai comme ça pour demain. Je pense que le make-up, je ferai à peu près la même chose aussi, sans mettre de fard à paupières, je ferai juste avec du liner. Je vais mettre les trucs roses demain, je les préparerai après. Voilà, donc j'ai customisé cette couronne là finalement, comme je vous l'ai dit, comme ça je vois ce que ça donne en fond. J'ai juste collé une guirlande lumineuse derrière à pile. J'aimerais bien trouver une froide, hein, bien évidemment, enfin une blanche. Là, elle est jaune, mais bon, écoutez, en attendant, ça fera. J'ai l'autre dans ma coupelle, mais je sais pas si je l'aime bien, celle-là. Et je trouve que dans la coupelle, elle donne super bien. Mais je pense que je vais quand même changer. Mamie qui se décide. Alors, attendez, j'enlève les fossiles parce que ça me fait mal. Voilà. C'est malheureux, je peux pas garder ce genre de truc. Mais voilà, pour un make-up de temps en temps, j'aime bien. En ce moment, je m'amuse bien. C'est de Chine, bien évidemment, comme d'hab. Je m'amuse avec les poses de pétasse pendant mes réels. Ça m'éclate. Voilà. Bref. Alors, crayon numéro 2 de chez W7. Je vous les conseille absolument pas. Je l'ai utilisé deux fois. Et toujours pas de mine. Voilà, apparemment c'est des crayons à usage unique. Une fois que vous devez le tailler, vous n'avez plus de mine. J'ai essayé, je vais réessayer avec un autre crayon. Alors attendez, je sais plus où j'ai rangé mes crayons. C'est pas comme s'il en avait 150 millions qui traînaient. J'ai pas où je les ai rangés.
Mamie, elle range, il faut plus ses affaires. Mais bon, je ne vous les conseille pas, hein, si c'est pour les utiliser une fois, le rapport qualité-prix n'est pas du tout très bon. Je ne sais pas si vous voyez une différence d'éclairage, je verrai ça au montage de mon réel. En fait, j'ai mis derrière, je ne sais pas si vous allez voir, mon anneau lumineux, qui me sert pour les selfies, les bricolages et tout ça. C'est en disant à Amy, parce qu'elle s'est acheté des lampes qui changent de couleur, elle, pour mettre comme ça en fond, et je lui ai dit, ben... pour tes réels, recule ton étagère, comme ça tu gardes juste la lupiote et tu changes la couleur au fur comme tu en as envie, quoi. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'éclairer encore un peu mon fond. Et je pense que c'est pas mal. Je vous montre avec et sans. Lilou nous a rejoint, donc le cochon, c'est pas moi. Je vais finir par le rouler sur la queue. Voilà, je sais pas si vous voyez une différence. Je vais peut-être faire un split d'écran pour voir. Bref, bon, ça, je jette, et les autres, je vais les enlever tout de suite. Il faudra que je rachète les Sephora. Donc, ben voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Comment ? Demain, je vais voir les filles, donc je vais préparer mes petits lacets roses pour demain, et mon make-up, donc je vous ai... Voilà, les lacets, c'est fait. Oui, du coup, je voulais mettre... comment ? Je voulais me mettre en robe ou en jupe, mais comme on sera dehors, je vais mettre mon jeans. Ou voir même mon leggings avec un autre leggings en dessous. Et je vais mettre mon bomber sans dentelle, mais je pense que je vais mettre ce pull-là en dessous pour avoir quand même quelque chose à manches longues un peu plus épais en dessous. Je voulais pas mettre du noir et surtout, ou alors il me faudrait un truc noir à longue manche, mais le problème c'est que j'ai tous des trucs asymétriques, donc je sais pas encore. Je vais voir, je vais peut-être quand même mettre du noir, hein, finalement. Voilà, vous connaissez ma bille, hein. Alors je vais sortir Miglisten. Est-ce que j'ai une teinte ressemblante à celle-là? Oui, celle-là. Hop. Donc, je prendrai la partie ici, mais je pense qu'elle fera un peu plus ici, de ce split-là. C'est le bœuf. Et je crois que c'est la teinte New, mais je suis pas très sûre. Oh, je regarde quand même dans les autres. Oui, là, ça sera trop rose, trop rose. Oui, j'en ai encore, hein. Ici, j'ai un bordeaux, un kaki, un copper, donc ça ne va pas. Et celui-là, ça ne va pas. Ouais, je vais prendre celui-là et je pense que je le mélangerai peut-être avec un peu de celui-ci pour l'avoir un tout petit peu plus rose, pour essayer d'avoir la couleur de mes lacets. Je verrai en faisant les swatchs. Et je ferai juste, je pense, ce même truc avec juste des petits points à la place des étoiles, parce que j'ai que des étoiles noires et pas de cette couleur-là. Voilà, voilà. Donc, pour la coiffure, c'est bon. Pour du coup, je n'ai pas besoin de me lisser les cheveux. Je vais les laisser comme ça encore. Enfin, je ne sais pas. Je voulais me lisser les cheveux. Je verrai tantôt après la douche. Les sacs, je les ai déjà préparés. Et voilà. Donc c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'avais rien d'autre à vous dire. Hein. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Vous avez bien vu les chichous hier, je suis contente. Et donc voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, sauf s'il se passerait quelque chose que je vous reprendrai, mais je pense qu'on peut switcher de jour. Et je pense que je vous reprendrai directement dans la voiture en allant voir les filles. Donc le reste du vlog sera filmé au téléphone. Hein. Je suis désolée, mais voilà. Enzo est très bruyant. Allez, sur ce, on switch. Bon, je reprends 2 minutes parce que finalement, j'ai mis la guirlande blanche et il y a plus de loupiote, alors ça donne mieux. J'aime bien. Vous en pensez quoi? J'aime bien, j'aime bien. Oh, si joli. Voilà, et il y a les petites super nanas qui vont juste devant. Voilà. Oh, c'est joli. Voilà. Alors, il est 10h20.
22 et là on est en route pour aller voir Mimi Fofolle. Vous voyez le tabac derrière, c'est pas très bien. Mimi Fofolle et Princesse Manon, puisque nous fêtons l'anniversaire en avance de voilà, le petit make-up, le petit point que j'ai à voir que j'ai oublié le rouge à lèvres, mais bon, c'est pas grave. Il y a beaucoup de circulation, il y a du soleil, on espère que Manon va pas ramener la pluie. Parce qu'elle dit que c'est moi, mais c'est pas moi, c'est elle. Voilà. Donc là, il y a Chéri qui conduit, qui est très concentré. Et voilà, donc je vous prendrai sur place pas très longtemps. On vloguera un petit peu, mais pas énormément, puisque on préfère profiter d'une de route que l'autre. Voilà, allez, à tout à l'heure. On est prudent pour pas griffer le. C'est moi je sais maintenant. Dogmi. Mais moi, je sais. Tu filmes ? Oui. Ouais. Enfin, je crois. Oui. Ah oui ! Moi, je sais. Ah, je vous l'avais dit que je vous le ferais. Vous aviez juste oublié. Oh oui. C'est toi qui l'as fait ? Non, c'est des photos, c'est des montages qu'on nous a fait. Chut, dis oui. Dis oui. Ah, c'est bien, c'est génial. Merci. Et les photos là qui est au-dessus, j'ai laissé exprès l'étiquette. C'est les, en fait, les cadres que j'ai achetés. Il y a plusieurs trucs. Ah, c'est ceux de chez voilà. Action. Je vous les ai laissés dedans. Si vous voulez échanger les images, vous... De rien. C'est bon. C'est bon. Manon, t'es pas crédible quand tu fais ça. Des pas qui veut. Tu es. Je suis une princesse. Oui, mais t'es encore juste une bébé princesse. Maintenant, j'ai le diabète. Passage éclair. Ah oh, oui, j'ai même pas filmé vos beaux diadèmes. Ah, tu les as montrés dans ton hall? Ouais. Non, parce que je les avais montrés tous dans mon hall et puis j'ai dû refilmer le hall puisque j'avais supprimé. Voilà, fini journée. Là, j'entame mon deuxième café. Pardon, la malle aux filles. Comme ça. Oui, mais regarde, si on filme à ta hauteur. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on est toutes. Alors, je disais, bonjour Manon. C'est pas évident, hein. C'est pas de notre faute, t'es grande. T'as qu'à rétrécir. T'as des talons? Même pas, alors mais... basket. Oui, mais elles sont un peu hautes. Hein. Ben, viens pieds nus, je sais pas. Coupe un bout de ta jambe. Parfois, j'aimerais bien être plus petite. Hein. Elle est tarée. On a bien mangé. Heureusement, oh que, heureusement que j'avais fait du cake. Pourquoi tu me lèches l'oreille, toi? Je t'ai pas léché l'oreille. Bah, presque. Bah, limite, elle était presque, ta langue était presque dans mon oreille. Je l'ai vu. Pourquoi tu veux pénétrer mon corps avec ta langue? Oh. Mais fais pas cette tête-là. Bah, rien que le fait que ça sorte de ta bouche, ça veut dire que tu y as pensé, t'es dégueulasse. Bah, je parle de mon oreille. Mais oui, j'ai pas qu'un orifice, hein. Mais t'as vu pénétrer mon corps. Eh ben, mon oreille est un orifice et fait partie de mon corps. Donc si tu rentres ton doigt dans mon oreille, tu m'aides à être mon corps. Oh, c'est logique quand même. Là, tu as perdu la moitié de tes abonnés. Fais-je du Manon avec. Bref, donc moi je pense que je vais terminer le vlog ici. Amy est jamais présente, voilà, elle est chiante. Elle fait mon café de Queen avec une tasse licorne. Attendez. Le souci du détail. Bon, fou, la mienne, elle est et une paille. Une paille Boozy Shop. S'il vous plaît, paille Boozy Shop. Oh putain, maintenant je vais pouvoir prendre ma tasse à café à chaque fois que j'ouvre un vlog rien pour le principe parce qu'elle est belle. Non. La thé, elle est belle. Tu diras à ton papa qu'il aille m'en chercher une. Bah, t'as rangé avec papa Noël. Bah, ça fait 15 fois que je lui dis, hein. Il a pas l'air très coopératif. Il répond pas. Bah, c'est mon père. T'as un petit poil noir. C'est un bon, sur ce, moi je vais clôturer le vlog. Donc n'oubliez comme pas. comme ça. Elle se fout de ma gueule. Enfin, Manon, on se fout de ma gueule à cause de la fin de mes réels et de mes débuts. Moi, et le début, je fais comment? Elle se fout de ma gueule. Mais non. Donc n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait. De laisser un gentil commentaire et compagnie. Le dindon vient nous espionner. Ça, c'est pas bien, dindon. D'activer la petite cloche. D'activer la petite cloche. Bien dire au revoir. Et en attendant la prochaine vidéo, nous, on vous fait plein de bisous. Non, c'est pas ça que tu dis. Ah, attends, il faut dire deux fois. On vous dit bisous, bisous.